ce qu'on fait de la vie n'est inidéalisable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas idéaliser la vie qui n'est pas idéalisable. En fait, même si les gens ne sont pas opposés, on ne peut pas idéaliser la vie parce qu'on ne sait jamais ce que la vie peut être, en fait. C'est pour ça que je dis qu'il faut penser au maintenant et pas à ce qu'on peut idéaliser. C'est ça qu'il faut penser. On ne peut pas idéaliser une vie qui peut être parfaite. En fait, c'est nos actes qui font la vie qu'on a. En fait, on ne peut pas idéaliser une vie qui est parfaite ou on est parfait ou le truc est parfait. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. L'idéalisation de quelque chose, c'est idéaliser une vie où tout est parfait, où il y a toutes les lois. Où... Ce ne serait pas une bonne vie. Parce que ce serait une vie... Imaginez une vie sans loi. Faisons un exercice en imaginant une vie sans loi. Une vie sans loi. Une vie avec aucune loi. C'est-à-dire qu'il y a zéro loi. Il n'y a plus de loi. Ça serait une vie de chaos. Clairement. Imaginez une vie sans justice, sans gouvernement, sans tout ça. On serait toujours... Ou une vie revenant à l'époque de Romagnon, à l'époque moyenâgeuse et tout ça. Même s'il y a des gens qui vivent toujours comme ça et qu'il y a des gens qui revivent. On ne pourrait pas tout simplement imaginer une vie, tout simplement. Lier la vie, comme les hommes, de début à la fin, l'homme a toujours évolué d'une manière ou d'une autre. L'homme et la femme et les personnes neutres ont toujours vécu d'une manière évoluée. Ils ont toujours évolué dans l'histoire et dans la culture et dans la culture des personnes. En fait, ce qui est le plus beau dans l'histoire, c'est qu'on évolue tous. En fait, il faut accepter l'évolution de chacun. C'est-à-dire chacun a son rythme, chacun a son évolution. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours dire qu'on est pas... Il y a des jours où on va peut-être se briser. Il y a des jours où peut-être on va être mal. Il faut accepter que des jours on soit mal, des jours on soit bien, des jours on soit in, des jours on soit pas bien. En fait, c'est... Comment dire ? Il faut accepter qu'on évolue. Il faut accepter nos erreurs du passé et accepter nos erreurs et nos réflexions du passé qu'on peut avoir. Que le monde, en fait, à une époque où on a grandi, en fait, a évolué, que c'est pas forcément ce qu'on imaginait. Et on peut pas forcément, on a des convictions, tout ça. Il faut pas enlever ses convictions, parce que c'est la chose qui vous fait tenir debout quand on a vraiment des problèmes, c'est les convictions et les passions. La passion, c'est la chose qui vous fait tenir le coup quand vous avez des problèmes. C'est ça qui vous fait tenir debout quand vous avez la passion, c'est ça qui vous fait tenir debout. La passion, c'est ça qui vous fait tenir debout, c'est ça qui vous fait que vous êtes bonne santé. C'est ça qui vous fait que vous pouvez tenir le coup, c'est ça qui vous fait que vous pouvez sortir. La passion et le fait que vous vous écoutez, ça peut tenir le coup. Ça fait que votre, tout simplement, votre évolution personnelle va évoluer. Parce que votre passion va aider à surmonter. Il y a toujours quelque chose qui va faire que vous allez surmonter les problèmes. Parce que vous pouvez, tout ce que vous surmontez de dur, c'est un tunnel quelque chose qui va déjà arriver. Et vous allez voir plus tard votre évolution, vous allez dire, ah ouais, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ci. Il faut pas mentir, il faut toujours être honnête, toujours être honnête. Les difficultés que vous vivez, c'est un tunnel de ce qu'il faut le vivre. Il faut vivre ces difficultés. Peut-être c'est dur, peut-être c'est pas facile, mais il faut le vivre. À un moment ou à un autre, vous allez avoir le bonheur en disant, je l'ai vécu. Peut-être ça n'a pas réussi, mais je l'ai vécu. Au moins, je l'ai vécu. C'est comme un tunnel. À un moment où vous sortez du tunnel, vous allez rendre compte que c'est fini. C'est à vous. C'est dur. Mais il faut le vivre. Des fois, même, il faut partir. Des fois, il faut tout recommencer à zéro. C'est dur de recommencer à zéro. C'est dur de repasser à zéro, d'être tout en bas, de recommencer tout, d'être tout bas, et qu'on a déjà recommencé. C'est dur. Mais des fois, il faut tout recommencer. Des fois, il faut recommencer à des sauts. Des fois, c'est pas vous. On peut pas choisir. Des fois, ça peut pas ni l'univers, ni Dieu, ni quelque chose. Des fois, il peut arriver des choses. On peut, c'est inexpliqué, il n'y a pas d'explication pour tout, même pas la science ni rien. Il n'y a pas de jour dans la vie, il n'y a aucune explication à ce qui peut vous arriver. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous culpabiliser, ni pleurer, ni tout ça. Il faut accepter ses émotions, il faut accepter de pleurer, mais il faut accepter de pleurer, il faut accepter ses émotions, il faut accepter sa vie, parce que simplement. Et il ne faut pas penser au futur, il faut penser à maintenant, il faut penser à ce que vous vivez maintenant. Parce que ce que vous ressentez maintenant, comme souffrance ou comme chose, vous devez le vivre. Dites-vous ce que vous souffrez, vous devez le vivre. Parce que peut-être ce que vous vivez, c'est on va donner pour une leçon de la vie. Et des fois, il y a des choses que vous ne devez pas vivre. Parce que ce n'est pas votre choix. Ce n'est pas votre destinée. Ce n'est pas votre destinée. Ce n'est pas une question de destinée ou pas, mais ce n'est pas votre destinée. Vous vivez des choses qui ne sont pas normales, qui ne sont pas forcément normales, parce que vous ne pensez pas à destinée. Vous n'aimez pas votre travail, vous n'aimez pas votre boulot, vous n'aimez pas vos rêves, vous n'aimez pas votre vie, parce que vous ne faisiez pas ce qu'il faut. Vous n'écoutez pas vos destinées, vous n'écoutez pas vos capacités et vos compétences. Vous voulez juste voir votre nez, vous voulez juste imaginer. Il faut arrêter de rêver. Vous pouvez rêver, oui, d'une meilleure vie,
Mais il faut pas penser au futur, faut penser à maintenant. C'est maintenant où toutes les actions vont venir. C'est maintenant où tout va se réaliser. C'est maintenant où tout va penser. Ne pensez pas au futur en disant, ce futur-là, je vais faire ça, ici, ça. Non, c'est maintenant que vous pouvez faire. C'est maintenant que vous pouvez vivre. C'est maintenant que vous pouvez réaliser vos rêves. C'est maintenant. C'est du jour au lendemain qu'on peut faire les choses. C'est pas en disant, voilà, peut-être il y a appelé le reconfinement, mais il faut faire, même s'il y a le reconfinement, il faut maintenant faire ce que vous avez besoin dans votre vie. Il faut faire maintenant ce que vous avez besoin. Quand vous pensez trop au futur, vous oubliez la réalité. Et quand vous pensez trop au passé, vous oubliez votre réalité. Parce que la réalité, c'est maintenant. Ce n'est pas plus tard. Et il faut penser aux personnes. Enlevez les personnes toxiques de votre vie. Enlevez les personnes qui n'ont aucun appel de votre vie. Enlevez les gens toxiques de votre vie. Enlevez les personnes qui ne vaut pas la peine. Les personnes qui ne sont jamais là, vous voyez une fois par jour, une fois par année. Enlevez ces personnes-là. C'est dur, oui. Ces personnes qui vous rabaissent, ces personnes qui vous fait une enquête sur vous, ces personnes qui vous rabaissent, ces personnes qui sont jaloux de vous, ces personnes qui vous méprisent et qui vous jalousent, ces personnes qui vous forcent la relation. Enlevez-leur de leur vie. Parce que pour avoir une meilleure vie, c'est à vous. Vous allez voir que vous allez avoir un changement complet de votre vie. Il y aura des jours où vous êtes déprimé. Même si vous avez une belle vie, il y a des jours où vous n'êtes pas bien. Il y aura des jours où vous êtes déprimé. Il y aura des jours où ce ne sera pas bien. Il y aura des jours où ce ne sera pas forcément idéal. Mais un jour, vous allez vous réveiller. Il y aura des moments où vous allez être heureux parce que vous allez passer une vie. Même s'il y a des moments difficiles dans votre vie, vous ne regretterez pas votre vie. Parce que tout simplement, vous savez que vous avez des capacités, vous voulez vous capacité, tout ça. Voilà. Tout pour aujourd'hui, à bientôt. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-vous la cloche parce que j'ai vu que beaucoup de gens n'envoient pas la cloche sur la chaîne et ne s'abonnent pas. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous et mettez la cloche sur la notification. À bientôt.